merci d'être venu. Vous avez à ma gauche la 7e génération. Et à la gauche de la 7e génération, vous avez la 8e. Donc, merci à tous d'être là. Il y a à peu près tout le monde là. C'est sensationnel d'avoir amené vos conjoints également. Je vais vous compter. Donc, en fait, aujourd'hui, les 150 ans de la société. Et je vais vous compter l'histoire de ces 150 ans. Alors, en réalité, ce n'est pas une famille, mais ce sont deux familles qui ont créé la broderie de Chaux. Donc, la première famille, ce sont des Labranqueries. Pour certains qui sont dans la région, on retrouve des pompes à main marquées Labranqueries dans la campagne. Mais elles ont été fabriquées chez nous. Les Labranqueries, on a connu les premiers, alors je regarde le papier parce que c'était il y a un moment quand même, en 1650. C'est-à-dire 1650, c'est Louis XIV. Les Labranqueries étaient maréchaux fondeurs, c'est-à-dire ils faisaient des fers pour les chevaux et pour les bœufs, ils faisaient des pièces de machines agricoles et ils étaient également tisserands. Et ils étaient situés quartier de Salles à Muret. Alors pour ceux qui connaissent Muret, le quartier de Salles, c'est l'avenue des Pyrénées. Et quand on a fini les Alléniels, on tourne à droite pour aller vers Saint-Gobain. Et donc la fonderie était située là, et elle est restée là jusqu'à 1973, où elle a été déménagée. En 1860, donc 1860 c'est Napoléon III, en 1860, Labranquerie Pierre-Paul décide d'installer un cubilot, donc et de faire du fer fondu. Donc c'est une technique qui existe depuis le début de ce siècle et qui est arrivée en France assez rapidement puisque le cubilot a été inventé en Angleterre. En 1890, Jean-Pierre François va continuer. Là on est sous la Troisième République. Et deux filles naîtront de son union avec Maria. C'est Paul et Anna. En 1910, quelques années plus tard, un certain Eugène de Chaumont, ingénieur parisien, alors vous verrez sa photo là-bas sur le tableau Café Dudu, ingénieur parisien venu construire la verrière du magasin du Capitole à Toulouse, a rencontré Paul Labranquerie, donc la fille de Maria, et ils se sont mariés. Ils se sont mariés et du coup, il est resté dans la région et c'est lui qui a repris la fonderie. À Eugène va lui succéder son fils aîné, Louis, aîné de Marguerite, de sa sœur et de Joseph. Puis Louis va céder la place à Joseph. Joseph, donc, c'est mon père. Il va rester jusqu'en 1968. Et en 1968, c'est moi qui prends la direction de la société. Que je déménage donc, du faubourg de Salles, ici à la zone industrielle, en 1973. En 2003, c'est mon fils Jean-Baptiste, que vous connaissez tous, donc il rentre dans la société. Et en 2010, aujourd'hui, on fête les 150 ans de la société. Donc 150 ans, ça fait quand même pas mal d'années. Donc 150 ans, on est passé du crayon à l'ordinateur. À l'époque, on n'avait même pas de machine de calcul. Du moulage main à la BMM. Donc on connaît tous notre machine à mouler célèbre, là, que nous avons fortement améliorée grâce à Gilles, qui doit être par là. Et à Odin. On est passé du cubilot au four électrique. Ça aussi, c'est un gros problème. On est passé de la fonte grise à la fonte ductile. Et tout ça grâce à quoi? Ben, tout ça parce que commercialement, on est passé du canton, c'est-à-dire
C'est-à-dire, dans les premières années, on n'allait pas très loin, il n'y avait pas de moyens de transport, etc. On est passé du canton à la France entière. Donc aujourd'hui, nos produits sont vendus sur toute la France et sur les pays limitrophes à la France. On est passé de la vente directe à des entreprises, à des administrations. Maintenant, 80% de nos ventes passent par des réseaux de distribution, style grande surface spécialisée dans nos... Et on est passé de la sous-traitance, puisque quand je suis arrivé dans la société, la sous-traitance, c'était 70% de l'activité. Et aujourd'hui, la sous-traitance, ça doit représenter 7% de l'activité à tout casser. Donc on est passé à la conception des pièces et on est passé à la distribution de ces pièces. Donc je vous fais un grand merci, parce que c'est grâce à vous qu'on a réussi à toute cette épopée. Je fais un grand merci à nos aînés qui nous ont procédés. Je pense que tout à l'heure, on aura le plaisir de voir Vandel, qui est un garçon qui a connu Muret et qui a connu le centenaire de la société. Je souhaite bonne chance à la 7e génération qui a pris maintenant la direction de l'entreprise et je vais lui laisser la parole pour qu'il dresse un peu l'avenir de la société. Merci à tous. Bravo! Quel parcours! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, un grand merci pour votre présence. Nous sommes très très heureux de vous recevoir à Muret pour les 150 ans. C'est une très très belle aventure qui vient d'être racontée. Et maintenant, il faut la continuer pour au moins 150 ans de plus. Alors, bien sûr, il faut la continuer ensemble. Alors aujourd'hui, qui sommes-nous? Nous sommes une fonderie de voirie et de mobilier urbain. Nous sommes environ une centaine de collaborateurs. Nous sommes connus et reconnus sur notre marché. Nous sommes le troisième intervenant français. Nous possédons un très large savoir-faire grâce à vos compétences et à notre outil en constante évolution. Les nuages, nous en voyons tous les jours, surtout d'Asie, de Chine et d'Inde. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre, pour continuer à progresser tous dans cette même entreprise. Fixons-nous des lignes directrices pour l'avenir. Quels produits? Bien sûr, des pièces de voirie, c'est notre dada, comme on dit, en petite série et en moyenne série. Toujours avec un haut niveau de qualité et plus proche du besoin réel du client. Pour qui? Bien sûr, en France, on vend à peu près partout en France, il y a encore des zones à développer. Et maintenant, on s'attaque à l'export avec une cellule export, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, et pourquoi pas encore plus loin. Quels moyens? Bien sûr, en augmentant nos parts de marché, en recherchant toujours des pièces nouvelles, en améliorant la productivité des services et en augmentant les services que l'on rend aux clients, notamment dans le transport et dans la rapidité des réponses. En diminuant notre impact sur la planète avec une forte démarche environnementale, moins de poussière dans l'usine, en passant par la peinture à l'alcool vers la peinture à l'eau, et j'en sans doute l'année prochaine en mettant une toiture toute neuve avec des panneaux photovoltaïques. Voilà tout un programme pour les 150 ans à venir. Merci à tous de votre implication au quotidien. Nous sommes très très heureux à nouveau de fêter les 150 ans dans une ambiance décontractée et bien sûr familiale. Je tiens chaleureusement à remercier les 4 membres du CE, Patricia, Yvette, Joël et Dauban, qui ont participé avec moi un petit peu pour l'organisation de cette très belle journée. Profitez bien de cette belle journée. La suite du programme est très simple. Les enfants vont nous faire un lâcher de ballon. Il y a bien sûr un apéritif dînatoire et le fameux tournoi de pétanque. Que le meilleur gagne. Merci à tous et passez une excellente journée. Bravo. Ha 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 ha!